Agnon. Bon, c'est un sujet croustillant qui intéresse tout le monde, je sais, je te connais. Ça fait à peu près un an que YesStyle rembourse les frais de douane et forcément addict que je suis, j'ai voulu tester et voir si c'était vraiment vrai et comment ça se passait pour le faire. Alors juste avant que tu fasses des cris de joie, etc, etc, YesStyle rembourse tes frais de douane mais en crédit sur leur site. Dans le sens, si t'as genre 20 francs de frais de douane, ils vont pas te redonner de l'argent comme ça. Ils vont te donner en gros un bon de 20 francs à réutiliser sur le site. Donc si tu ne penses pas faire plusieurs fois plusieurs commandes, c'est même pas la peine de continuer à regarder cette vidéo. Par contre, si tu penses refaire d'autres commandes, etc, je pense que ça va être pour toi. Donc j'ai voulu tester et je vais te parler de mon cas et surtout comment faire pour te faire rembourser. Parce que oui, en fait, ils le cachent bien dans les méandres du site parce que bah, forcément, ils veulent pas trop le crier sur les toits qu'ils vont te rembourser. Donc je vais te montrer en fait comment le faire. Donc en Suisse, tu as généralement des frais de douane à partir d'une valeur en dessus de 62 francs. Ça peut passer entre les gouttes dans le sens où tu peux avoir un colis qui est à 80 francs et qui passe entre les gouttes, comme ça peut absolument pas passer et tu te ramasses tout dans la gueule. Ça peut être si tu as les deux. En gros, là, j'ai fait une commande de 70 francs en espérant qu'elle se fasse choper par la douane. Ce qui est arrivé, c'était la seule fois de ma vie où j'étais heureuse en fait d'avoir un truc, de recevoir quelque chose de la douane, tu vois. Donc la première chose que j'ai reçue en fait, c'est une demande de dédouanement. Donc mon colis est resté bloqué en douane et la douane t'envoie ensuite un courrier postal pour te dire ben salut, ton colis il est bloqué en douane, on voudrait avoir la facture qui prouve en fait la valeur de ce qu'il y a dans ton paquet. Donc ce que tu dois faire, c'est aller sur YesStyle, et j'ai un poil de chat et ça me chatouille. Tu vas sur ta commande YesStyle, tu prends ta commande, tu l'enregistres en PDF, tu le leur envoies. Comme ça, eux, ils ont tout le détail et du coup, ils te la débloquent. Ensuite, donc ton colis part, il est libéré, c'est magnifique et tout ça. Et c'est ton postier qui arrive donc chez toi et qui te dit « Salut, bah voilà ton colis, mais tu dois me payer tant de frais de douane. » Et là, ce qu'il faut absolument faire, c'est qu'il va donc te donner ton colis et il va te laisser le récap du truc. Donc la valeur de ton colis plus les détails des frais de douane. Donc tu dois toi payer les frais de douane. Donc tu vas payer ton facteur là directement. Moi j'avais donc, attention, un colis à 77 francs et j'ai eu 39 francs de frais de douane. Donc en gros, mon paquet a 80 balles et j'ai 40 balles de frais de douane. C'est absolument génial, ça fait plaisir, on adore. Ensuite, tu gardes absolument très précieusement le reçu en fait qui te dit que t'as payé et ton récap en fait de tes frais de douane. C'est vraiment genre sans ça, sans cette chose là, tu ne te fais pas rembourser. Ensuite, à ce moment là, bah, tu vas aller regarder sur YesStyle comment faire pour te faire rembourser et t'espères vraiment que tu te fais rembourser parce que ça te ferait chier de payer 40 balles dans le vide. Et je vais te montrer comment ça se passe. Moi, je l'avais fait à la base avec mon téléphone et je me suis vraiment, vraiment fait chier. Parce que entre l'application, le site, le machin, le truc, franchement, tu vas prendre 3 heures. Donc je te conseille de le faire sur un ordinateur et moi je vais te montrer comment le faire sur un ordi. Donc tu es sur YesStyle et tu descends tout en bas du site. Là en bas, tu as quelque chose qui s'appelle le service client. Après, donc sur la gauche, je réfléchis de ma gauche à ma droite, t'as livraison et retour, ensuite douane et taxes. Après, bah forcément, c'est un peu genre une espèce de FAQ. Quand tu ouvres, la première chose, donc vais-je payer des taxes douanières sur mon colis? Donc il t'explique blablabla blablabla. Et ensuite ça te met tout en bas, les demandes de remboursement avec reçu de paiement peuvent être effectuées via ce lien. Donc tu cliques ce lien, tu vas chercher sur envoyez-nous un email. Et là ça te met toutes les petites choses que tu dois remplir. Donc bien entendu il faut absolument que tu leur montres la preuve de paiement des taxes douanières. Et ça a, t'as 30 jours pour le faire. Donc tu payes et tu as 30 jours pour le faire. Donc en gros je te conseille de le faire tout de suite. Donc tu rentres ton nom, ton adresse email, l'objet, donc c'est remboursement des taxes. Ensuite donc tu mets les preuves de ton paiement. En fait tu fais une photo de ton reçu, tu écris le numéro de commande qui est concerné par cet axe là, donc ton numéro de commande qui est dans, c'est ta commande YesStyle en fait, la devise, donc la devise dans laquelle tu as payé, le montant qu'ils doivent te rembourser et si tu as un commentaire à mettre ou pas, et ensuite tu fais envoyer. Dès que tu as complété et envoyé ton formulaire, tu vas recevoir un message automatique, donc un mail automatique qui va te dire bah merci d'avoir contacté le service client. Et donc par rapport à mon remboursement, j'ai reçu les sous sous forme de crédit YesStyle deux jours après, qui a été vraiment hyper rapide. Et ensuite sur mon compte, c'était pas des crédits qui avaient par exemple une date de péremption, tu pouvais les utiliser n'importe quand. Je les ai déjà utilisés, mais aussi ce qui est cool, c'est quand tu utilises des crédits, si tu veux, tu les as déjà payés avant. En fait, au final, il y a rien qui change, ils ont quand même été payés par toi, mais t'as l'impression que tu payes pas quand tu te fais une commande YesStyle. Enfin bref. Donc en conclusion, oui, mes frais de douane ont été remboursés par YesStyle, en crédit YesStyle certes, mais j'ai été remboursée hyper rapidement. Donc j'ai trouvé ça bien. Après, est-ce que je ferais ça pour chacun de mes colis? Je le ferais pour toutes mes prochaines commandes, dans le sens où elles n'ont pas forcément toutes des frais de douane. Certaines, même si elles dépassent les 60.
au centre de France, en général elles arrivent encore à passer entre les gouttes. Donc s'il y a que quelques colis par-ci par-là où je dois envoyer la facture là, dois payer le facteur, ensuite renvoyer à Yestel, tout ça, attendre le paiement, je le ferai pour 2-3. Par contre, si je me fais vraiment taxer sur chaque commande que je fais, au bout d'un moment ça va un peu me saouler de devoir faire ça à chaque fois. Si ça m'arrive, je ferai à chaque fois des plus petites commandes autour des 40 francs, 50 francs pour être sûr de pas être taxé. Mais au global, tant que c'est pas trop répétitif, pour moi c'est quand même une hyper bonne option. Ça te permet de pas te faire chier à faire 15 paquets. Franchement, je le recommande, j'ai eu une hyper bonne expérience. Je suis contente que ça ait fonctionné parce qu'au début je me disais, si ça ne fonctionne pas, je paye 40 balles dans le vide. Bref, et sinon, si jamais j'ai un code promo que tu peux utiliser sur Yestel qui est... Non, alors Yestel ne me sponsorise absolument pas, ce qui est très dommage. Donc si jamais tu veux leur faire un petit mot en mode il faut qu'ils me sponsorisent, c'est volontiers. Hein. Donc j'ai un code promo qui te donne moins 5% sur ta commande et c'est cumulable avec d'autres codes. En fait, c'est dans le petit truc des amis, tu dois noter mon code ici. Il est dans la barre d'infos. Et si jamais tu veux voir mes looks ou un peu mes revues sur des produits K-Beauty, c'est sur mon Instagram que ça se passe. Donc je t'invite à me rejoindre là-bas aussi. Et sinon, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut !